enseignant du quota sécuritaire. Et vous nous avez donné l'engagement que le lycée technique, que les libéraux n'ont pas pu faire, que vous allez le faire. Mais les autres, c'est-à-dire les libéraux contrefaçons, au moins ils ont beaucoup fait, hein. Ils ont d'abord rompu, c'est-à-dire le consensus qui avait été trouvé en 1981 dans le cadre des états généraux de l'éducation. Ils sont ensuite venus abroger unilatéralement sans le consentement du Parlement la loi d'orientation 91-22 du 16 février 1991 qui a défini le type de Sénégalais qui devrait être formé. Ils ont ensuite dégradé les mœurs en créant ce qu'on appelle des moyennes sexuellement transmissibles, c'est-à-dire des élèves qui doivent avoir 19, c'est dans d'autres, c'est eux qui l'ont créé ici. Hein? Ils ont créé un système d'évaluation très approximatif. Il faut être du PEDES pour avoir la moyenne. Si vous n'êtes pas du PEDES, vous n'en avez pas. Ça, au moins, ils en ont créé. Ils ont promis les troubles scolaires. Ils ont commencé en coupant. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui ont coupé. C'est eux qui sont allés au trésor pour couper, pour faire la ponction, pour inciter les enseignants à aller en grève. C'est eux, on connaît ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont instauré des inscriptions de manière à espèce sonnante, trébuchante, en cachette. Ce que le ministre a enlevé. Aujourd'hui, il n'y a pas ce genre d'inscription. C'est-à-dire, leurs enfants qui étaient très nuls, qui n'ont pas la capacité de passer en classe supérieure, ils les enlèvent d'un collège pour les amener dans une autre école en sourdoyant. Ça, ils l'ont fait ici. C'est pourquoi le niveau des élèves aujourd'hui, le résultat, c'est l'hécatombe. C'est pourquoi en 2012, nous avons ensemble, et on les a invités dans la rectification de tout ça. Ils ont refusé. C'est le même comportement qu'ils ont par rapport au dialogue qu'on a convoqué au ministère de l'Intérieur. Parce qu'ils ne veulent pas s'asseoir avec les Sénégalais, les syndicalistes, pour pouvoir rectifier ce qu'ils ont commis comme erreur. Voilà le comportement. Monsieur le ministre du PS, nous sommes fiers de vous. Parce qu'ils n'ont même pas pu gérer l'héritage que Abdou Diouf les a donné. Quelqu'un qui ne peut pas gérer cet héritage-là. Très simple. Comment voulez-vous qu'ils puissent être satisfaits des promesses que vous êtes en train de faire? La révolution qui s'observe dans ce pays. Merci. Merci, cher collègue.